parmi vous aujourd'hui pour la tenue de la deuxième session du comité de pilotage du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali PAFEM. En effet, un an après la première session tenue le 27 janvier 2022, l'occasion nous est donnée de faire une appréciation du parcours effectué et de se projeter sur les étapes à venir conformément aux missions assignées au comité de pilotage, à savoir approuver le plan de travail et le budget annuel 2023, vérifier l'état d'avancement des activités en veillant à l'atteinte des objectifs et au respect de la stratégie d'intervention du PAFEM, approuver le rapport annuel de mise en œuvre des activités, examiner et valider les rapports d'audit. Mesdames et messieurs, pour rappel, le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali a été mis en place à travers un accord de financement signé le 20 avril 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale pour le développement IDA pour un montant global de 60 millions de dollars, soit 33 milliards de francs CFA, dont la moitié sous forme de prêts et l'autre moitié sous forme de dons. En mettant en œuvre le PAFEM, le gouvernement du Mali entend répondre à quelques préoccupations majeures qui sont l'amélioration de l'inclusion financière au Mali à travers les appuis ciblés à la CCSSFD pour une meilleure surveillance du secteur de la microfinance, au SFD pour le renforcement de leur système d'information et la digitalisation de leurs services. La digitalisation des moyens de paiement de l'État en appuyant l'adhésion du Trésor public au groupement intermonétique bancaire de l'UEMOA, JIM UEMOA, ainsi que la dématérialisation et la digitalisation des prestations de la Caisse malienne de sécurité sociale et l'Institut national de prévoyance sociale. L'appui à l'éducation financière de la population à travers les campagnes d'information et de sensibilisation, la promotion des moyennes, petites et moyennes entreprises en facilitant leur accès au financement grâce à la mise en place d'un système de garantie partielle de portefeuille par le Fonds de garantie pour le secteur privé. L'appui à l'emploi à travers les activités génératrices de revenus et les travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre en faveur des femmes et des jeunes des régions du centre et du nord. Mesdames et messieurs, l'année écoulée a été marquée par d'importants événements dans la vie des PAFEM, notamment la signature le 11 octobre 2022 de la première convention de garantie partielle du portefeuille entre le Fonds de garantie pour le secteur privé et la Caisse d'épargne et des crédits des entrepreneurs et des commerçants KEC, destiné à faciliter l'accès à un prêt ou à une ligne de crédit à 1000 petites et moyennes entreprises. La première dotation du fonds de garantie mise à la disposition du fonds de garantie est de 2,750 milliards de francs CFA. La signature le 14 novembre 2022 de l'accord cadre relatif à la mise en œuvre des activités de la composante 3 du projet, accord qui a été signé entre le gouvernement du Mali et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour un montant de 26 millions de dollars sous forme de dons. L'organisation et la tenue de 6 ateliers d'information et de sensibilisation de plus de 500 enseignants du fondamental et du secondaire sur l'éducation financière. Enfin, le démarrage effectif des appuis destinés à certains bénéficiaires, notamment le Trésor, la Caisse malienne de sécurité sociale et l'Institut national de prévoyance sociale, les signatures de conventions GPP entre le Fonds de garantie du secteur privé et les institutions financières partenaires, et la signature de l'accord cadre avec l'UNICEF vont contribuer à accroître significativement l'impact des actions du PAFEM au cours de l'année 2023. Nous encourageons l'UGP du PAFEM à redoubler d'efforts et d'ardeur pour relever les défis nouveaux, notamment le suivi régulier de la mise en œuvre des activités de toutes les composantes pour un relèvement significatif du taux de décaissement. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer mes propos, vous inviter à faire une analyse critique des documents qui vous sont soumis et à apporter vos contributions et observations pour permettre à l'unité de gestion du projet d'atteindre les objectifs que nous attendons du PAFEM au titre de 2023. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien pour cette question. Le projet PAFEM, c'est le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali.
Alors la première année qui vient de s'achever, nous avons eu quand même de grandes réalisations, notamment à l'endroit de nos bénéficiaires. Nous avons signé un accord cadre avec le Fonds de garantie pour le secteur privé pour accompagner davantage les MPME, notamment les MPME dirigées par les femmes et les jeunes. Donc, deuxièmement, nous avons pu mettre à la disposition du fonds une première avance de 2,7 milliards pour cela. Et ensuite, nous avons signé une convention avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, pour servir les jeunes et les femmes qui sont dans une situation de vulnérabilité dans les régions du centre et du nord du Mali. Donc cette troisième convention aussi a été signée. Tout cela marque un peu le démarrage des activités du PAFEM. Et enfin, nous avons pu former en éducation financière près de 500 enseignants des deux ordres d'enseignement, le fondamental et le secondaire, donc, en éducation financière. C'est pour améliorer leurs connaissances et pour mieux les inclure aussi dans le secteur financier. Alors en 2023, nous allons être un peu plus ambitieux parce que si la première année était vraiment une année de mise en place du projet, la deuxième année va consacrer vraiment le démarrage effectif de beaucoup d'activités, notamment au terme de la digitalisation des paiements de l'État. Nous allons renforcer notre accompagnement du Trésor, de la Caisse malienne de sécurité sociale et de l'Institut national de prévoyance sociale. Donc aussi, nous allons aller directement dans l'accompagnement des MPME aussi, au niveau de la formation, au niveau de leur accompagnement, pour avoir plus de garanties bancaires et à faciliter leur accès au financement. Également, le démarrage des activités de la composante 3, qui porte sur les petits travaux, les AGR et les travaux IMO, au niveau des régions du centre et du nord, pour occuper les jeunes qui sont là-bas en situation de vulnérabilité et éviter que ces jeunes-là ne soient utilisés pour d'autres fins. Alors en 2023, nous avons été ambitieux, donc nous avons un budget de 14 milliards de francs pour réaliser les différentes activités que je viens de citer.